BFM Bash vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 07 07 47 37. SFM Bash, votre événement, notre engagement. Salut famille Zéhérito, vous avez bien remarqué tous qu'il y a une entreprise qui m'accompagne maintenant dans mes vidéos et c'est la structure SFM Bash. Je ne parlerai pas beaucoup, je vais mettre le lien de le site web, la page Facebook et autres en description. Partez jeter un coup d'œil. Vous verrez que c'est la structure leader sous-régionale en matière de logistique événementielle et d'architecture événementielle. En matière de salons, foires, festivals, ils sont numéro 1. Ils ont quelques références que je vais vous montrer pêle-mêle rapidement. Voici les plaquettes. Vous voyez bien les plaquettes. Voilà. Voici les plaquettes. Et puis je vous montre simplement rapidement, vite fait, avant de venir sur la vidéo. Le truc, quelques partenaires. Ils ont une centaine de partenaires, mais pour figurer sur la plaquette, ils ont choisi que celle-là. Voilà. Que ceux-là, excusez-moi. Voilà. Donc c'est SFM Bash. N'hésitez même pas. En cas d'anniversaire, n'importe quelle cérémonie, n'importe quel événement, ils sont toujours prêts à répondre présent. Ceci étant, je vous informe aussi qu'il y a Debordo Likoufa, le maître qui se déplace du côté de Dubaï. Et c'est du balèze. C'est une première à Dubaï. Et comme je sais qu'il y a une très forte communauté africaine du côté de Dubaï, j'invite tous les fans de la bonne musique, tous les fans du coupé décalé, tous les fans de Debordo, les plus gamés, à se déplacer massivement sur ce lieu de rencontre-là où Debordo viendra vous faire plaisir. Je crois bien que c'est le Garage Africa Club. Voilà, je crois bien que c'est l'espace qui abritera ce grand événement là à Dubaï. Et donc j'invite tous les fans de Debordo du côté de Dubaï à se déplacer massivement pour aller rendre grand cet artiste-là qui est beaucoup attaqué, qui est beaucoup jugé, qui est persécuté, qui est même stressé par certains de ses propres fans. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, avec Debordo, c'est toujours du balèze et il le confirme dans cette vidéo-là. Suivez la vidéo avec. Salutations personnelles à toutes et à tous. C'est le Mimi, le fils de sa maman, fils de sa maman, mignon, chiquita, chiquissou. Ok, rien de grand, Debordo Likoufa pour la première fois à Dubaï. Ha ha. Rappelle-moi de quoi, Ramadi, c'est de quoi Le Garage African Club. Le Garage African Club de Bordeaux, du coup, que je suis, j'arrive là-bas à Dubaï. Je vais vous montrer comment ça se passe pour un show pas possible du jamais vu. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok. Et comme vous l'avez suivi avec moi, ça se passe du côté de Dubaï ce 28 septembre, là. Ce 28 septembre, au Garage Africa Club. Voilà, le pass est 50. DAS, en tout cas 50 DHS dans, je lui dis dans la monnaie, truc que on utilise à Dubaï. Voilà. Donc je compte vraiment sur vous pour vous déplacer massivement. Et puis je voulais aussi profiter pour laisser un message très fort qui m'a touché, que l'un de ses plus grands fans, voilà, a laissé sur son compte Facebook. Je vais le lire. Je vais le partager avec vous. Il s'agit là de Kagoulé, mon petit Kagoulé, qui a laissé un message qui m'a vraiment touché à l'endroit de notre artiste Debordo Likoufa. Je lui mettons le message. Debordo, le père, wesh, tu as des fanatiques, hein? Je regarde les commentaires et puis moi-même, je suis dépassé. Les gens sont vraiment prêts pour toi, le vieux. Bien ou mal, ils sont avec toi. Ça tarde ou pas, ils sont calés. Dieu t'a béni depuis longtemps, vieux. Et maintenant, c'est à toi de faire en sorte que tu aies toujours ce genre de fan. Grand merci à la base Fork à Debordo. C'est la page à soutien de Debordo Likoufa. Je le dis très souvent dans mes vidéos. Partez vous abonner massivement là-bas. C'est la page à soutien à Debordo Likoufa, Fork à Debordo. Avec des administrateurs irresponsables comme Raël, Cissé Junior, Mago, Al Jazeera, Naba, Basti, Quadio. Et il termine par vraiment merci pour le combat. C'est pas facile, force à vous. Il me fait un clin d'œil aussi dans son poste. Il dit, mon frère Stéphane Aoui de Hérito, de Search TV, force à toi. Allez vous abonner massivement à sa chaîne, c'est mon king. Merci mon petit, merci beaucoup. Tu es aussi un grand prince.
Et puis il a terminé par cette phrase: bon famille, je serai un peu absent et je vous invite aussi à aller vous abonner massivement sur la chaîne de mon petit Cagoulé. Même s'il est absent, il fait vraiment un gros travail pour notre artiste de Bordeaux. Donc je vous invite massivement à aller vous abonner, même dans son absence. Et je vous promets qu'il ne durera pas. C'est juste pour des raisons personnelles, il reviendra très fort. Voilà, il dit: bon famille, je serai un peu absent pour quelques obligations et je reviendrai très bientôt. Encore merci de soutenir votre artiste. Et sa signature, maman, voilà, c'était un peu ça. Bref, on va aller pour un autre sujet qui m'a vraiment dérangé. C'est le son, le grand son Victoire de Kérosène Didier, tant attendu, qui a failli être boycotté. Sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment l'audio a fuité, comment le clip a fuité. Mais franchement, il y a un individu, je ne sais pas si c'est un jeune homme ou si c'est un gars désespéré dans son coin, qui s'est permis de prendre et le clip officiel et le son pour le mettre en ligne bien avant même l'artiste. Franchement, moi j'étais choqué, j'ai vraiment pas compris, je ne sais pas comment les choses se sont passées. Et franchement, je déplore ce genre d'acte-là. Voilà, on peut soutenir un artiste simplement en invitant les gens à aller écouter sa musique. Donc, je vous invite aussi à aller écouter le dernier de Kérosène. C'est vraiment de la bonne musique, c'est vraiment du lourd. Et je sais que ce son-là, même s'il a failli être boycotté dès sa mise en ligne, fera encore énorme succès. Voilà. Et je profiterai aussi pour dire deux mots à ces personnes-là. Franchement, c'est pas intéressant de votre part. C'est vraiment, vraiment pas intéressant de votre part. C'est quoi l'intérêt? Tu n'es pas l'artiste, tu prends et son clip, et son audio, et le mettre avant lui-même. C'est quoi? C'était une campagne de sabotage ou quoi? Parce que je n'ai pas compris. Voilà. Et une autre chose, c'est à l'endroit du staff et de l'artiste même Kérosène. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais il faut être plus professionnel que ça. Et puis, il faut être très. On va dire. Je ne dirais pas attentif, mais très prudent. Lorsque quand vous finissez une œuvre avant de la mettre en ligne, franchement, ça a failli vraiment chambouler tout. Kérosène, qui a l'habitude de faire facilement au moins 70 000 vues, 75 000 vues en un jour, se voit faire que 50 000 vues. Et je sais que ça va grimper, mais franchement, c'est des choses à surveiller, c'est des choses à éviter désormais. Soyez plus professionnels et surveillez vraiment vos arrières. C'était la ma vidéo du jour. Partagez-la si elle vous a plu. Sachez qu'on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.